entraînement, point fort, point faible, qualité, quantité, que choisir? S'il te plaît, ne perds plus ton temps. Aujourd'hui, avec Nico de Mon Coach Vélo, spécialiste du triathlon, on évoque un point essentiel à l'entraînement sur le choix que tu peux faire entre la qualité et la quantité à chaque entraînement et tout au long de ta saison. Nico fait également exploser certaines croyances limitantes qui circulent bien souvent dans le milieu de la natation et tout particulièrement du triathlon en France. Et si aujourd'hui la technique en crawl est ton plus gros point faible, pas de panique. On peut faire changer ça sans te prendre la tête ni y passer des heures. Et pour ça, rien de plus simple, il suffit de télécharger ma méthode en 5 étapes pour apprendre à nager le crawl, soit dans le coin ici ou dans la description. T'es prêt? C'est parti. On a une question du coup là de Romain qui prépare son premier Ironman. Alors il s'y prend à l'avance, c'est bien, il le prépare pour le 8 juillet. Donc pour rappel, un Ironman c'est 3,8 km de natation qui l'attendent. Et ensuite, il va devoir enchaîner sur du vélo, puis de la course à pied, 180 km, et après c'est 42,1 pour un marathon en fait, de course à pied. Donc un bel effort en perspective. Là actuellement, il a 2-3 séances de natation par semaine, et lui, sa plus grande galère, et ça c'est un truc que je retrouve avec beaucoup de gens qui font du triathlon, parce que on fait du vélo, on fait de la course à pied, donc on a souvent des cannes bien musclées. Mmh. Et voilà, il a les jambes qui coulent, donc quand il met le pull boy, ça va à peu près. Et puis quand il l'enlève, ça se passe moins bien. Voilà. Toi qui fais du vélo en bonne quantité, qu'est-ce que tu fais un peu pour essayer de pallier à ça? Alors déjà, peut-être la combi, c'est assez différent par rapport à l'entraînement. Ouais. Mais est-ce que tu as des trucs par rapport à ça qui t'ont permis de progresser? Est-ce que tu as ressenti un truc Si vraiment on voulait... ça c'est pareil, tu vois, c'est un truc par rapport à la préparation mentale, on travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que les gens se tuent la vie, la santé et surtout la motivation à travailler leurs points faibles. Mmh. C'est nul. C'est un discours qu'on entend souvent en plus, même dans le haut niveau parfois, où on voit des nageurs travailler leurs points faibles, alors que finalement, ce serait peut-être plus judicieux d'être encore meilleur là où ils sont. De toute façon, ce qui est clair, c'est que quand tu travailles un point faible, ça te demande beaucoup d'efforts et tu vas avoir une faible progression. Mmh. Tu travailles un point fort, tu travailles peu et tu vas avoir une grosse progression. Donc je veux dire, bon, peut-être à très haut niveau, ça se joue sur du millième, ça se discute, mais honnêtement, moi j'entraîne des gens qui travaillent les championnats du monde, des choses comme ça. On travaille quand même vachement les points forts parce que c'est ce qui donne la confiance, c'est ce qui donne l'énergie, l'envie de se dépasser. Et puis, quand on regarde, alors excuse-moi, je vais dire un cycliste parce qu'en natation, j'ai peur de dire un cycliste qui est grimpeur, le mec, il peut travailler pendant des heures pour emmener du gros braquet comme ça, il sera moyen. Et on sera moyen. Quand on est mauvais et qu'on travaille vraiment un point fort, finalement, on passe de mauvais à médiocre, c'est ça. Voilà, ou moyen, mais on sera jamais. Au mieux, t'es moyen. Et par contre, si tu travailles plus ton point fort, tu fais plus la différence. Ouais. Donc vraiment, il ne faut pas se prendre le choix avec ça. Si il a les jambes qui coulent, il faut qu'il travaille les choses déjà qu'il aime faire en natation. Là, il va prendre du plaisir, il va trouver de la glisse, il va trouver machin. Et après, les jambes lourdes en triathlon, c'est vraiment pas un problème, tu as la combinaison, et c'est parti comme ça. Ouais, bien sûr. Donc vraiment focaliser sur économiser ton énergie, être capable d'arriver frais à la fin, et puis pas forcément chercher à faire une grosse performance, mais être capable de nager économe. Et puis si tu as les jambes qui coulent, dis-toi qu'il y a de grandes chances que les 50 mecs qui sont à côté de toi aient aussi le même problème, parce que tout le monde fait du cyclisme, tout le monde fait de la course à pied. Et dernière chose, souvent on voit les nageurs s'entraîner beaucoup en natation parce que sûrement pour un Ironman, 3800 mètres, ils sont assez inquiets vu que c'est leur point faible. C'est peut-être une façon aussi de se rassurer, de se dire je m'entraîne beaucoup pour me dire ça va bien se passer. Finalement, s'ils ont vraiment besoin de se rassurer, pourquoi pas s'essayer à en faire une fois en 3800 mètres en bassin avec une combi, et puis ils vont voir que peut-être finalement c'est pas si terrible, et ils vont voir peut-être la marge de progression qu'ils peuvent avoir éventuellement. En termes de planification, moi ce que je ferais, si tu veux, c'est je m'entraînerais 2 ou 3000 mètres par semaine, donc une sortie par semaine sur l'année. Et puis 4-5 mois avant le triathlon, je commencerais à un peu allonger les distances pour effectivement me faire un test sur 3008, voir que une fois que j'ai nagé toute l'année, le 3008. Alors je pense que c'est plus dur de faire un 3008 en piscine, même avec la truc, que de le faire en eau libre.
Parce que quand, vraiment, quand tu es en eau libre avec la combinaison, il y a le décor, le machin, le truc, ça passe beaucoup plus vite que. Surtout si on est un nageur un peu moyen, que les cubes buts on maîtrise plus ou moins, ouais. Tu vois, se faire ses allers-retours, combien j'en suis, machin, on se prend la tronche. Alors qu'en eau libre. Donc ça vaut le coup de l'essayer, voilà, avec l'arrivée des beaux jours au mois de mai, là, ici, son traitement il est au mois de juillet. Ouais. Bon, au mois de mai, je commence à me mettre ma combinaison, je vais l'essayer, c'est important de la tester avant. Et je vais me faire en 3 minutes, une fois que je suis rassuré. Mais au passage, en vélo, de plus en plus, on fait la même chose. Je parle même pas en course à pied. Bien sûr. On va pas se faire du 180 km à tour de bras, quoi. Je veux dire, ça sert à rien. Mais on en fait un petit peu à l'approche de un mois avant la course pour se rassurer, de dire voilà, je fais les 180 km avec l'entraînement que j'ai fait, je suis capable de les encaisser. C'est bon. Sinon, je crée de la fatigue. Et la fatigue, ben, ça entraîne que je des problèmes de rien, blessures, les plus en vie, tout ça. Et puis, ouais. En natation, c'est vraiment pire, quoi. Parce que je te disais, l'autre jour, j'étais. Avec le club de natation, et tu vois qu'avec la fatigue, ça entraîne de prendre des mauvais gestes, et on les ancre, quoi. Tu vois, les mecs, ils font des 400 mètres nage libre, au bout de 50 mètres, le geste, il n'est plus là, quoi. Donc, ils font 350 mètres avec un mauvais mouvement qu'ils ancrent, et ça, ouais, on le répète. C'est, tu vois, ouais, c'est idiot, quoi. C'est vraiment aller à... Enfin, sans, il n'y a pas de logique derrière ça, ou c'est vraiment... Logique de volume, de dire, ah, je suis la caisse, il n'y a pas de progression derrière ça. Enfin, tu pourras faire, c'est ce que je disais, c'est, on a peut-être un peu cette impression de se dire plus je nage, plus je vais progresser, alors qu'en fait pas du tout. Si tu nages mal, et ben plus tu nages et plus tu nageras mal, et plus ce sera difficile de te corriger. Donc vraiment, dès le départ, se mettre dans une optique de je vais nager peu, en revanche je vais privilégier vraiment la qualité à la quantité pour être le plus efficient possible, le plus efficace possible à chaque mouvement. Et puis bah, si tu as un Ironman à préparer derrière, c'est vraiment sortir frais de l'eau, avoir une belle nage, être finalement le plus frais possible pour attaquer les 6 heures ou les 8 heures qui te restent derrière. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu peux me laisser un like en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous et dis-moi en commentaire quel est ton avis sur l'entraînement en natation. Est-ce que tu es plutôt à privilégier la qualité ou la quantité ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.